Vermicelle sautée au bœuf et légumes. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer un plat, c'est vermicelle sautée avec du bœuf et des légumes. C'est une sorte de vermicelle, au Vietnam on appelle mie. Vous pouvez utiliser ça, le sort que vous trouvez dans le supermarché asiatique, ou sinon j'ai ça, c'est une sorte de vermicelle aussi. Voilà, mais c'est le même, sauf que cela, il est plus épais par rapport à cela. J'utilise le bœuf, des champignons parfumés, ça déjà trempé dans l'eau, deux carottes, deux courgettes, échalotes et de l'ail. Pour couper les champignons loin, j'enlève ça, jeter ça. Ça, c'est très dur, on ne mange pas. Je vais couper ça en fines. Carottes, courgettes coupées, échalotes, l'ail coupé. Je marine la viande avec la sauce d'huître et du poivre, une demi-cuillère de sauce au poisson. Je vais mettre un peu de casserole d'eau avec un peu de l'eau. Et je vais mettre un peu de sel pour faire cuire des légumes, des champignons en pré-cuite. Le carotte en première. Deux minutes après, je vais mettre les champignons. Champignons noirs. Deux ou trois minutes après, je vais mettre les courgettes et je peux éteindre le feu. Vermicelle, après tremper dans l'eau, il devient mou. Maintenant, je vais passer au passoir. Verser une partie de l'huile assez importante dans la poêle. Et je vais faire cuire l'ail et échalote. Les légumes. Une cuillère d'huître. Du poivre. Je rajoute des viandes de bœuf dedans. Il ne faut pas attendre la viande bœuf de cuite. Je rajoute le vermicelle déjà trempé bien dans l'eau. Rajoutez une demi-bonne de l'eau. Prends un ciseau pour couper le vermicelle. Je dois lui couper tout à l'heure avant de mettre dans le poêle pour facilement le sauter avec la viande. Rajoute du maggi à votre goût si nécessaire. Voilà, le plat est prêt à déguster. Je vous souhaite bon appétit et à bientôt. Au revoir, ciao.